Notre histoire commence là. Il était une fois trois frères qui n'emmenaient pas très large. Oui, bah votre mère, bah à la fin d'un infarctus. Hein. Tout d'un, je voyais défiler ma vie, dans laquelle il ne se passait rien du tout. Pour la première fois de ma vie, je me posais la question. En avais-je assez profité? Je suis désolé, je n'ai pas blessé. C'est quoi cette histoire? Tu vois une fille? Évidemment, cette entreprise réclamait quelques petits arrangements. Tu vas avec ton pull? Pas mon pull. Je pense que tu devrais m'embrasser. Ça réglerait tous tes problèmes. Hey! Elle est d'une ergonomie corporelle. Vas-y, raconte la salope, ticket de métro et tout. Évidemment. Oh, salope. Tu peux arrêter de l'appeler la salope. Ah! Allô? T'es où? Je suis à l'hôpital. Mais je suis à l'hôpital. Toi? Je suis à la cafétéria. Tout seul? Non. Avec un sucre. Le petit problème, c'est que mes histoires rendaient envie légèrement à fleur de peau. Moi aussi, j'ai une aventure. Le seul truc, c'est Patricia, j'ai un peu promis la fidélité, quoi. La seule fidélité, c'est la fidélité que tu te dois à toi-même. Tu comprends? Si vous m'envoyez ça. À quel âge? 27. Coucou. Même à Paris 40. Méfie-toi, c'est les trois petits cochons, ces mecs-là. Je suis avec le troisième cochon, l'aîné, celui qui a une maison solide. Salut! Je te propose un très bon deal. Moi, je suis un porte-avions et toi, tu viens te poser quand tu veux. T'as peur de quoi exactement? Je sais pas ce que j'attendais pour être célibataire. Je vais faire larguer, non? De ce que je suis devenu. Un homme libre, un insoumis, un insurgé. Tremblez, bourgeois, tremblez! Je crois que c'est ta femme, là. Oui, Poupounette, oui. Pas trop cuit de la baguette, d'accord, mon amour.